Aujourd'hui, dans Comment j'ai pécho, on vous invite à un mariage au Nigeria. Alors faites péter le smoking ou la robe à paillettes, parce qu'ici la tendance, c'est ultra bling bling. À Lagos, le compte à rebours a commencé. Dans 2 jours exactement, sous les cristaux de cette immense salle des fêtes, 2 jeunes Nigérians vont se dire oui. C'est Nafissat qui est chargée d'organiser la cérémonie. Ce que je vous propose, c'est qu'on installe les 2 principaux traiteurs, celui du marié et celui de la mariée, à l'intérieur de la salle. Tu sais, avec 1600 invités, il y aura de l'attente. C'est inévitable. Les mariés ont refusé l'option buffet. Ils veulent que leurs 1600 invités soient servis à table. Un casse-tête pour Nafissat. On a 1600 chaises dorées ? Non, on n'en a que 700. C'est pas grave, les dorées, on les mettra devant, histoire que ça soit joli pour les photos. Et les chaises moches derrière. À 24 ans, Nafissat débute dans le métier. C'est son premier gros contrat. Les familles des mariés ont investi 80 000 euros dans cet événement, 10 fois plus que ce que l'on dépense en moyenne en France pour un mariage. Ils m'ont tout confié, depuis leur fiançailles jusqu'au jour J. C'est la plus grosse mission que j'ai jamais eue. Ma mariée, je l'adore. Elle est géniale. Mais attention, elle peut être totalement bridezilla. Bridezilla, la contraction de bride, mariée en anglais, et du monstre Godzilla. A gigantic beast on mankind. Godzilla, king of the monsters. Un mot inventé pour décrire les fiancés tyranniques au Nigeria. Des T-Rex meringués qui n'effraient pas Nafissat. C'est beaucoup de pression, mais je me dis que grâce à moi, quelqu'un va vivre le plus beau jour de sa vie. Et pour que cette journée soit inoubliable, Nafissat sait tout puiser son inspiration sur les réseaux sociaux. Car depuis quelques années au Nigeria, les mariages font l'objet d'une compétition féroce en ligne. C'est au couple qui affichera la cérémonie la plus folle, la pièce montée la plus haute, la liste d'invités la plus longue. Une fête en petit comité, vous n'y pensez pas. Même les demandes en mariage se font en public et se postent sur Instagram. Ah mon Dieu ! Adieu l'intimité. Le monde entier est invité à liker ces mises en scène, réalisées à la manière d'une super production hollywoodienne. Mon chéri, pendant si longtemps, j'ai attendu le jour où j'aimerai quelqu'un aussi fort que je t'aime toi. Quelqu'un d'attentionné, de généreux et de fiable. Tout est fait pour épater la galerie. Un couple a fait son entrée en Mercedes. Un autre a offert des voitures et de l'électroménager à ses invités. Ça va être la ruée. On va offrir des télés, des ventilos, des frigos. On dit du secteur du mariage qu'il pèse des millions de dollars et qu'il fait tourner l'économie du Nigeria. Bref, après le pétrole, le nouvel or du pays n'est pas noir, il est rose et il dégouline d'amour. Celle qui a eu du flair, c'est Funke Bucknor. Quand elle s'est mise à organiser des mariages il y a 14 ans, personne ne connaissait ce métier. Aujourd'hui, il existe même des compétitions pour élire les meilleurs professionnels de sa catégorie. Là, c'est ma collection de trophées. Celui-ci, c'est un prix pour le mérite. Je l'ai reçu il y a quelques années. Et là, c'est pour ma contribution exceptionnelle à l'industrie de l'événementiel.
J'en ai tellement gagné. À une championne comme elle, on a tout de suite envie de demander sa recette du succès. Pas celle qu'elle raconte dans son livre, celle qu'elle garde en secret. J'ai toujours plusieurs plans de secours, car tout peut arriver au cours d'un mariage. Il faut être prête à décrocher la lune et les étoiles autour. L'autre petit truc que Funke aurait pu donner aux organisateurs débutants, c'est un GPS. Car planifier un événement à Lagos, c'est affronter des embouteillages monstres. Bienvenue à Lagos. Nafissat a choisi la date du mariage en fonction des conditions de circulation. Avec 20 millions d'habitants et des transports en commun quasi inexistants, Lagos est l'une des villes les plus congestionnées au monde. La plupart des gens choisissent de se marier le samedi. Mais moi, j'ai décidé que leur cérémonie aurait lieu le dimanche. J'espère qu'il y aura moins de bouchons, mais c'est pas gagné. Nafissat est attendue dans le quartier des tailleurs. Elle a rendez-vous avec le futur marié pour sa dernière séance d'essayage. Et en attendant, elle a pris la place du patron. N'importe où vous vous trouvez un bureau. Oui, je ne peux pas me permettre de perdre une minute. C'est parfait. J'adore quand c'est parfait. Enyu a 29 ans. Il a fait des études de médecine et commence tout juste à exercer. Ce sont ses parents et ceux de sa fiancée qui financent la cérémonie. Je suis content du résultat. Il est trop stylé ce costume. J'ai l'air nickel. Même s'il appartient à la classe moyenne, Enyu se doit de faire un mariage grandiose. J'ai pris conscience que le mariage, c'est plus une fête pour les parents que pour soi-même. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais invité maximum 200 personnes. Mais je n'ai pas d'autre choix que d'inviter beaucoup, beaucoup de monde. Dans l'arrière-boutique, 25 personnes s'affairent pour fabriquer une trentaine de costumes par semaine, vendus en moyenne 250 euros pièce. Ce tailleur a créé son atelier il y a 9 ans, et depuis, son activité n'a cessé de grandir. Tout au long de l'année, on reçoit des commandes de costumes pour habiller les mariés, et parfois aussi pour tous les témoins. Il est évident que ça crée de l'emploi pour tout un tas de gens et que ça bénéficie à l'économie dans son ensemble. Sans les mariages, il perdrait 75% de son chiffre d'affaires. Pendant qu'Enyu est occupé à remplir les caisses des tailleurs de Lagos, sa future épouse, elle, vide les poches de ses copines. Pour son enterrement de vie de jeune fille, Olamide s'est fait rhabiller des pieds à la tête. La jolie princesse a également reçu une délicate attention, un gâteau en hommage à son fiancé. Mais qui a fait ça ? Ah non, c'est pas moi, je suis bien trop conservatrice. Olamide se réjouit. Avec ce gâteau, elle est sûre de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Depuis des mois, elle affiche toute sa vie de future épouse sur Internet. C'est devenu la norme au Nigeria. Pas de mariage sans vidéo pour alimenter la chronique. Je m'appelle Olamide. J'ai rencontré mon futur mari à l'université. Il est très prévenant et il croit en Dieu. Quelques heures plus tard, Lagos s'éveille. C'est dans cette maison qu'habite la future mariée, encore chez ses parents à 26 ans. Wesh. La cérémonie est prévue pour le lendemain.
Est-ce que votre vie de femme non mariée va vous manquer? Non, parce que je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. Objection. Fini le temps de la liberté où tu pouvais faire les choses à ta manière sans avoir à demander son avis à personne. Une fois mariée, même quand tu voudras aller aux toilettes, tu devras en informer ton mari. Et Deneke, la meilleure amie de la future mariée, s'est casée il y a 6 ans. Les petits conseils de dernière minute, elle s'en charge. Dans notre culture, au Nigeria, on n'épouse pas seulement un homme, on épouse aussi toute la belle famille. Et si jamais vous faites un pas de travers, que vous n'êtes pas apprécié, alors là, ça peut vite devenir l'enfer. C'est la tradition au Nigeria. L'épouse part vivre dans sa belle famille. La grande sœur d'Olamide a du mal à l'accepter. Je suis partagée. Je ne vais plus pouvoir la voir quand je veux. C'est son mari le patron maintenant. Lagos fait partie des 10 plus grandes villes du monde. Alors forcément, ça va être moins pratique pour se voir. Les valises d'Olamide sont prêtes. Dans moins de 12 heures, la demoiselle deviendra Madame Enyu Smith. Qu'est-ce qui se passe ici? Je dis au revoir à maman. Plus qu'une nuit de sommeil avant d'envahir Internet avec les photos de ses épousailles. Pourquoi les mariages ont-ils pris une telle importance sur les réseaux sociaux? Il existe au Nigeria une émission de télévision qui s'intéresse à la question. Bonjour à tous, moi c'est Tabia, bienvenue dans ce nouveau numéro de Walk the Talk. L'animatrice Tabia Princehill est l'une des voix les plus cash du Nigeria. Ce soir, on la retrouve en plein brainstorming pour sa prochaine émission. Autour d'elle, ses futurs invités, un panel très varié. Célibataire. Célib. Divorcé. Célibataire, mais c'est compliqué. Marié. Sans commentaire. Pendant 2 heures, elles vont tenter de comprendre pourquoi au Nigeria, les mariages sont devenus des signes extérieurs de richesse. La compétition sur les réseaux sociaux nous pousse à penser que notre valeur personnelle dépend de notre mariage, que plus la fête est grande, plus on a de l'importance socialement parlant. Organiser un petit mariage, c'est prendre le risque de passer pour une moins que rien. Elle pense que les mariages conçus pour les réseaux sociaux ont perdu toute signification sacrée. Comme c'est mal vu pour une femme de vivre seule, on est prête à épouser le premier venu pour quitter nos parents. J'ai un ami à qui on a dit à son travail qu'il n'aurait pas de promotion s'il ne se mariait pas, parce qu'il passait pour un homme irresponsable et bon à rien. Il existe un plafond de verre pour les célibataires. En fait, c'est un business. C'est un peu comme si 2 entités privées s'associaient pour former une entreprise. Pendant que Tabia et ses acolytes décortiquent le mythe des mariages à la nigériane, à l'autre bout de la ville, on s'affaire à l'entretenir. Nafissat n'a plus que quelques heures pour transformer cette salle en palais des mille et une nuits. Est-ce qu'on recouvre le plafond? Mais on n'a pas le temps. Mais la mariée me l'a demandé. Oh, je suis trop mal. On est censé recouvrir tout le plafond d'un tissu blanc. Et les fleurs viennent juste d'arriver. Il nous reste beaucoup trop de travail. Je vois chaque projet comme une grossesse. J'ai l'impression d'être en train d'accoucher là et de devoir pousser pour le sortir, ce bébé. Fais gaffe à ma tête, mec. Nafissat est sous pression, car dans un mariage de cette taille, tout peut virer au cauchemar en quelques minutes. Le plus important pour l'organisatrice, c'est de garder le sourire. Demain, chaque invité va regarder mon visage et si jamais ils perçoivent une forme de stress, ils se diront que quelque chose ne va pas. Mais si je suis souriante, ils penseront que cet événement est parfait. Nafissat saura-t-elle garder le sourire?
Verdict imminent. Quelques heures plus tard, le soleil a fait son apparition. C'est le grand jour. La métamorphose de la future mariée a commencé. Ce n'est pas une, mais trois maquilleuses qui sont présentes pour la pomponner. Moins d'effervescence du côté du futur marié, pour qui la nuit a été courte. Comment vous vous sentez nu aujourd'hui? Je me sens un peu malade, mais je suis content. Une crise de paludisme l'a cloué au lit toute la nuit. J'étais très faible. J'ai vomi plusieurs fois. J'avais froid, très froid. Et c'est pas le stress du mariage plutôt? Je me sens nerveux, c'est sûr. Suffisamment nerveux pour partir en courant. Enyu n'est pas le seul à avoir l'estomac noué. La sœur de la mariée ne se sent pas trop dans son assiette. Je suis tombée malade cette nuit. Mais je dois me faire belle malgré tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai chopé une intoxication alimentaire. J'ai mangé quelque chose qui n'était pas frais. Je me suis complètement déshydratée et on a dû m'emmener à l'hôpital. Tourne ta tête par là. Heureusement, Olamide, elle, est d'humeur à être sous le feu des projecteurs. Relève le menton, là. Mais le photographe en fait un peu trop. Regarde par-dessus ton épaule et souris. Regarde-moi. Baisse un peu le menton. Super. Allez, c'est bon. C'est bon. À partir de maintenant, les caméras ne vont plus cesser d'être braquées sur elle. Trop belle. Ne mets pas la photo en ligne. Mon futur mari ne m'a pas encore vue. Trop tard. Je me sens oppressée. Pendant ce temps-là, à la salle des fêtes, l'heure est au peaufinage. L'équipe de Nafissat a travaillé toute la nuit. Le résultat se doit d'être à la hauteur. Allez, vous n'avez pas terminé? S'il vous plaît, j'ai besoin que tout soit nickel. Au Nigeria, chaque famille paie pour ses invités. Le marié et la mariée choisissent chacun leur traiteur. Problème aujourd'hui, celui de la mariée n'a fourni ni assiette, ni couvert. Il semblerait que la mariée n'ait pas payé l'intégralité de sa quote-part. C'est la honte absolue. La sœur d'Olamide n'assume pas du tout. Pourquoi tu ne m'as pas dit que les couverts c'était en supplément? J'ai essayé, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Je vais te gifler. Tu ne m'as rien dit. Je les aurais payées moi-même, ces assiettes, si j'avais su. Arrête de mentir. Reste tranquille et arrête de me mentir. Je suis désolée. Laisse tomber. Tu es vraiment très, très... Je ne trouve pas les mots. J'ai pas envie de les dire. Attendez, je peux plus parler. Qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve coincée entre les deux familles qui se comparent entre elles et qui m'accusent d'être à l'origine de leurs problèmes. Nafissat a perdu le sourire, mais pas son carnet d'adresses. En moins d'une demi-heure, le problème est résolu. Ça a coûté plus cher, mais bon, c'est pour ça que je suis une organisatrice. Kissou, je n'arrive pas à te trouver. Où est-ce que tu es dans la salle? L'incident diplomatique a été évité de justesse. Mais Nafissat doit encore faire ses preuves. Prochain test qu'elle ne peut pas rater, l'entrée des mariés. C'est parti pour une débauche d'effets spéciaux. Jeux de lumière, canons à paillettes, nuages de fumée. Fleurs, cristal, boule à facettes. Pourquoi choisir quand on peut tout avoir? Les caméramans s'en donnent à cœur joie. Enyu et Olamide auront leurs jolies vidéos souvenirs prêtes à poster sur les réseaux sociaux. Dans l'assemblée, personne n'a l'air impressionné.
Les 1600 invités font leur vie comme si de rien n'était. Normal, tout ce tralala n'a en fait rien d'exceptionnel. Au Nigeria, d'une cérémonie à l'autre, on retrouve les mêmes décors et les mêmes mises en scène. Il n'y a guère que le visage des mariés qui change. Il y a cependant une tradition qui rallume l'assemblée. Le money spraying, ou l'art de recouvrir les membres de la famille des mariés de billets de banque. C'est une façon de manifester notre reconnaissance vis-à-vis des parents, de leur dire qu'ils ont bien élevé leurs enfants. On les recouvre avec de l'argent, c'est une tradition africaine. La sœur de la mariée retrouve enfin le sourire. Il est 17h, la salle commence à se vider. Et comme le veut la tradition, les invités repartent avec des cadeaux. Des bassines en plastique, des parapluies et même du papier toilette. Tant pis pour ceux qui espéraient un grippin, voire une Mercedes, ça, c'est pour les mariages de Nabab. Je suis heureuse. Je remercie Dieu. C'est des sensations fortes, ce métier. Meilleure organisatrice de l'année. Nafissat s'en est plutôt bien tirée. Quant à Monsieur et Madame Smith, l'histoire raconte qu'ils vécurent heureux et qu'ils eurent beaucoup de likes.